fêter comme un dingue. Boule. Ah, la région du Nice. Toutes ces aventures, toutes ces histoires, tous ces souvenirs. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Non. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai notée dans mon carnet de bord. Préparez-vous à une aventure incroyable avec un mec complètement con. Allez, c'est parti! Oh, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria. Elle, c'est le professeur Keteleria. Elle vit à Renoué et elle étudie l'apparition des Pokémon dans notre monde. Tiens, voici un Pokémon. Ah non, c'était pas censé être ça. Le professeur explique à tous les nouveaux dresseurs que les Pokémon sont leurs amis et qu'avec, ils peuvent faire de grandes choses, notamment de puissants combats Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi maintenant. Un garçon, c'est bien ça? Et quel est ton nom? Je m'appelle Nemel, mais vous pouvez m'appeler N. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. Non mais je les connais en fait. Lui c'est Chiren, c'est mon meilleur ami et mon rival. C'est un mec calme et réfléchi, mais un peu borné parfois. Quant à elle, c'est Bianca. C'est sûrement le meilleur personnage de mon histoire. Non, je déconne. Le meilleur... Bonjour. Ensemble, on forme un trio de choc. Bon, surtout moi. C'est pour ça que le professeur a décidé de nous confier à tous les trois un Pokémon. Ah, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est écrit là. N, prépare-toi pour l'aventure. C'est parti mon kiki. Kiki. Sur un scénario de Game Freak, Pokémon version noire. Noir Express, rouge corse, doré classique, rose tout, de cette carte noire. Avec une voix off comme ça. N, le professeur Keteleria a dit que nous allions recevoir des Pokémon. Mais où sont-ils? Bah, ils sont là devant. Je suis déjà en bas de chez toi. Et Bianca, elle est où encore? Au secours! Fausse alerte! Ah, désolé, je suis encore en retard. Ils sont où les Pokémon? Dans ton cul. N, c'est à toi de choisir en premier le Pokémon que tu veux. Très bien, alors. Revenez pas. Il y a des produits qui vous changent tellement la boule. Pokémon de type plante, Vipélière. Pokémon de type feu, Gruikuit. Pokémon de type eau, Morsac. Moustillon. Ah, mais qui choisir? C'est la fête. Non, je ne sais pas qui prendre. Il peut pas y avoir quelque chose pour m'aider? Quelque chose? Oh, c'est un signe. Oh, je sais qui je dois prendre. Chez nous, le meilleur, c'est le saucisson. Par la suite, Bianca a pris Vipélière. Et Chiren, Bianca a... Et Chiren Moustillon, impatient à l'idée de tester nos Pokémon, nous avons décidé de nous battre ici même, dans ma chambre. Non mais ça va, les Pokémon ils sont encore faibles, hein, ils vont pas casser ta chambre. Hein. Allez Yen, en garde. Hé, hey, tu veux te battre? Le premier combat Pokémon d'un dresseur n'est jamais très impressionnant, mais c'est celui qu'il retiendra toute sa vie. Gruikuit, go! Ah, c'était quoi ce bruit? Et voilà, j'ai gagné, j'ai cassé la baraque. Littéralement. Très sale, très très sale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? On m'a dit que ça arriverait, c'est arrivé. Ah, vous êtes irrécupérables, vous deux. Bon, à mon tour. Non, mais elle est déjà cassée, ma chambre, allons dehors, hein. On va faire ça chez toi, si tu veux, hein. On vient chez vous. Ne t'inquiète pas, N. Avec ma connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre souffre davantage. Moustillon, donne tout ce que t'as. Hé, hey, tu veux te battre? Le deuxième combat Pokémon d'un dresseur... La gueule. Ah, c'est toi, je te pointe du doigt. Moustillon, go. Saucisson. Je suis enfin devenu dresseur, c'est maintenant que tout commence. Mais oui, c'est clair. Oh putain, comment je t'ai défoncé. Alors c'est ça, un combat de Pokémon. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire... Merci beaucoup. Ouais. J'ai perdu, mais au moins, on n'a rien cassé. Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tous les désordres. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'y vais. Oh non, ma chambre. Mais les traces de pas au mur, ils ont fait ça comment? Nous sommes désolés pour les désordres. C'est la faute de N, on lui a dit de pas faire ça. Mais il était intenable, il nous a sauté dessus avec son Pokémon. Du coup, pour le rangement... Non, vous inquiétez pas, c'est N qui va ranger. Hein, quoi? Voilà, j'ai tout rangé, je peux y aller maintenant? Ouais! Ça y est, j'ai enfin un Pokémon. Okay. Hey, le père de Bianca, j'ai un Pokémon. Oui, Bianca, tu as été adoptée. Ah, je repasserai plus tard. Yo, le papa de Chiren, comment ça va? Ah, fiston, viens voir. La chose la plus importante dans ta vie, c'est le bouton X. D'accord? Le bouton X? Mais... Oh, oh my god! J'espère que vous resterez de bons amis avec Chiren. Je sais qu'il est pas très ouvert et parfois un petit peu carré. En plus ça, connard, je sais pas qui l'a élevé mais c'est sans doute pas moi. En plus il est grossier, il est bruyant, il fait pipi au lit, oh, j'en ai marre. Alors, voyons voir les petits secrets de Chiren. Oh mon dieu. Hello, je vous attendais. Je m'appelle... Vous vous appelez Keteleria, on a vu la séquence intro. Oh mais Chiren, je te croyais cool quand même. Tiens, je te reprends ton Pokémon, voilà. Est-ce que vous voulez renommer votre Pokémon? Ah, donner un surnom à mon Gruikuit. Mais lequel? Non, là, pour le coup, je sais pas. À moins que... Eh oui, car en rangeant ma chambre, la télé s'est allumée. Et voilà ce que j'ai vu. Donc, je vais t'appeler Imit.
Oui, par contre, ça se prononce Ignite, il y a un E à la fin. Ah bon ? Bien, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. C'est pour remplir le Pokédex. Non mais tu veux pas prendre ma place aussi pendant que tu y es ? Donc oui, pour le Pokédex. Le Pokédex enregistre automatiquement les Pokémon que vous croisez et capturez. Je compte donc sur vous pour parcourir la région du Nice de long en large, afin d'en répertorier toutes les espèces. Partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Il faut d'abord dire la formule magique. S'il vous plaît. Ah mais c'est trop stylé, ouais j'accepte. Le Pokédex. Bon, maintenant je vais vous apprendre comment rencontrer un Pokémon. Allez, venez sur la route 1. Béaba du voyageur, tome 1, le bout. Enfin, je suis devenu dresseur. Je vais pouvoir affronter l'autre dresseur et devenir bien plus dresseur. Tel est mon dresseur. Aine, tu comptes faire quoi avec Init ? Eh mais réponds-moi. Allez, tous ensemble vers la route 1. Voilà, on est arrivé. Voilà ! Regardez, le professeur est là. As-tu vu ? Alors les jeunes, regardez comment capturer un Pokémon. Et voici tout ce qu'il faut pas faire. Bon, j'ai des choses à faire. Salut les jeunes. Très bien, la prochaine ville est Arabelle. Allons-y. D'accord. Bon bah du coup c'est parti. Non mais attends, c'est quoi cette musique là? Bah c'est la musique de la route 1. Non mais je sais, c'est complètement ringard. Vous êtes qui en fait? Je suis DJ, et je te propose de rendre ton histoire un peu plus swag. Tiens. Ah bah merci. Ceci est un mini jukebox. Grâce à ça, tu peux changer les musiques. Amuse-toi bien. Ah mais c'est trop cool, je vais essayer. Maman, j'ai envie de vomir. Bon, j'ai capturé un ratatif. Yes. Que j'ai renommé Ewink. Et j'ai aussi capturé un poncho. Yes. Par contre, lui, j'ai beau réfléchir, j'ai absolument aucune idée de surnom. Et comprenez-moi, c'est un grand drame. Un grand drame? Not on your life. Grand drame. Vandamme? Mais oui, Vandamme. Allez, c'est bon, on peut repartir. Oui, j'ai vraiment trouvé ce surnom comme ça. Tu mens. Un rat attentif. Ok, on va voir si ce rat est meilleur que mon rat. Ewing, vas-y. Ouh, la t'inquiète, c'est une petite attaque, vas-y, ta tenue. Ne t'inquiète pas, Zelda. Ne t'inquiète pas. Not on your life. Ah, un poncho. Vandamme, vas-y. Talk to me. Allez, Vandamme, montre-lui ta force. Great job. Ah, Vandamme, t'es le meilleur. Le meilleur. Oui, allô? Hello les kids! Je vous appelle juste pour vous dire que je vous attendrai au centre Pokémon d'Arabelle. Allez, à plus! Sus! Le professeur nous a demandé de la rejoindre au centre Pokémon d'Arabelle. Mais vous verrez ça dans le prochain chapitre. Allez, salut! Bientôt, nous nous retrouverons face à face. Et oui, les enfants, j'arrive au prochain épisode! Qui suis-je? Que veux-je? Titi Drogba? Ne manquez pas le prochain carnet de bord pour le savoir! Conseil aux dresseurs, ne soyez pas timide, parlez aux gens que vous rencontrez. Resserre de son père, quand vous jouez la. Venez, mister. Et au son. Stay!